Je l'ai enfin. Enfin, j'ai une MCD XR5 à moi. J'en avais jamais eu en fait. Mais en fait, c'est l'histoire, elle est un peu comme celle du X-Max. C'est-à-dire que de facto, dès que j'ai recommencé le modélisme, le X-Max, ça me bottait. Et puis c'est cher, et puis peut-être que t'es pas le machin, bidule. Donc tu passes par des steps intermédiaires. Tu passes par le MT Sport Plus, tu passes par un Truggy, tu passes par un Zen Reaper, tout ça, ça essaie de se rapprocher. Mais à la fin, il y en a qu'une qui te plaît, ou il y en a qu'un qui te plaît, et que tu vas garder. Et bien là, c'est pareil pour la XR5. Je suis passé par une infraction, c'est un peu plus grand. J'ai fait une Lozi R8, j'avais une FGA 5e. Et puis à la fin, c'est que tu voulais vraiment, c'est la XR5. Donc là, je suis heureux. Je l'ai grâce à Rivière Prod. Donc ici, on a une voiture qui est très préparée et vendue d'occasion, qui m'a été vendue par Rivière Prod. Rivière Prod, c'est le préparateur et l'usineur de chez Piezoarazit qui vous prépare vos voitures thermiques, électriques, plutôt MCD et FG. Et fait partie, comme Michel Pieuza et à la Rivière, donc Rivière Prod, fait partie des gens qui commencent à prendre conscience que le brushless est une vraie tendance, que il y a des gens qui s'intéressent, il y a du matos qui commence à suivre, il y a des autonomies qui sont fait suivre, tout ça aussi sous l'impulsion de Mani, il faut être honnête, qui était le premier à électrifier de manière intelligente des grosses échelles, enfin que j'estime intelligente, et du coup, voilà, ça commence à s'émuler, le discours commence à passer, et puis les gens, même les thermiciens convaincus, commencent aussi à se dire, ah bah putain, ouais. Ouais, les brushless, c'est bien. Il y a aussi, il faut être honnête, hein, il y a aussi tous les clubs qui sont en difficulté par rapport au bruit, par rapport à la pollution supposée des thermiques. Donc, effectivement, il y a des clubs qui interdisent tout simplement. Malheureusement, c'est parce que voilà, hein, c'est aussi sympa. C'est aussi des gens qui adorent ça et c'est dommage qu'ils ne peuvent plus le pratiquer dans leur club parce que les clubs l'interdisent. Parce que voisinage, parce que pollution, parce que. Parce que voilà, hein. Mais c'est dommage. Mais bon, moi j'en profite. On a donc une MCD XR5. XR5 qu'on va brushlessiser. Tout simplement. Donc, voilà. L'Anthrax 560. Donc plus grande 3 cm, 2,5 cm que la FG, la plus grande des FG. Une 535. Il y a aussi la version max qui rajoute encore, je crois, 4 cm d'anthrax pour la voiture. Et donc, là, ça commence à faire des gros bébés lourds. Parce qu'effectivement, une des grosses problématiques par rapport à une FGA 5e, c'est la différence de poids. Ici, RTR, je pense qu'on va être à 15 kg. 15 kg. Voilà. Parce que rien que la cage fait 1,8 kg. Donc, la carreau. Elle est magnifique, on ne peut pas dire autre chose. Mais regardez, une vraie voiture de rallye quoi, la vraie rallye cage. Tout ça coûte 1,8 kg, ça pèse 1,8 kg. Là, il y a même presque 2 kg parce que j'ai rajouté mon fameux Gorilla Tape sur toute la périphérie. Et puis là aussi, parce qu'il y a le système de néon que vous avez vu en intro. Donc ça, c'est Wish ou AliExpress, vous tapez néon light. Lights en anglais, je vais vous le mettre pour ceux qui n'ont pas compris mon accent, je vais vous le mettre en français en écriture là. Vous tapez ça sur AliExpress ou sur Wish et vous allez avoir en fait ça. En fait, c'est un boîtier électronique avec un fil néon que vous passez en fait par-dessus, que vous cousez en fait, percez, vous faites un peu de couture, que vous passez pour faire les différentes formes de feu que vous voulez. Et puis ça clignote, c'est permanent ou ça clignote plus vite, donc c'est vraiment pas mal. Là, je sais pas si tu pourras le voir. Attends, sur le rouge, ça se verra. Donc ça se fait par 3 LED. Ouais, tu verras pas beaucoup. Ouais. Ça se fait par 3 LED, par pile, un boîtier pile, par couleur. Puis tout simplement un fil que tu passes et après tu scotches quand t'en as plus besoin. Et puis il y a un boîtier pile qui, il n'y a pas de radiocommande, c'est pas sur le récepteur, c'est plus ça simple. Par contre, l'effet, il est quand même très saisissant. Voilà, donc on a rajouté les petits autocollants de chez Rivière Prod de chez Peugeot. Voilà. Donc en fait, je l'ai acheté à Alain pour qu'on puisse, elle est à moi, hein, et pour qu'on puisse travailler dessus et qu'on puisse trouver une solution. Pérenne, pas trop coûteuse pour
pour faire marcher cette super bagnole. Parce que super bagnole, elle l'est. Ça, c'est clairement. Donc ici, sur le modèle que j'ai, on a 3 différentiels. Oh, quelle surprise! Mais dont le central et l'avant sont à glissement limité, boîtier métal. Pour l'arrière, c'est le même, mais il a pas. C'est aussi un boîtier métal, je crois. Tu me le contrôleras là. Mais par contre, il n'y a pas de système glissement limité. Donc voilà, globalement. Oh, oui, attends, la pause. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, pause parentale, comme d'habitude. Donc, on en était. Donc, oui, 3 diffs faciés, 2 glissements limités au centre et à l'avant, qui permettent, en fait, de, même si, enfin, qui permettent d'être, d'avoir une bonne accélération, parce qu'on va accélérer des cas de fer, et tout en étant agile dans les virages, et facile dans les virages. Donc, le système est simple, hein. Plus j'accélère, plus la pression d'huile va se faire dedans, plus ça va durcir le diff, plus je suis à basse vitesse, plus ça va être détendu, moi ça va tourner vite, plus on va être détendu et donc agile. Donc, le châssis 70-75 T6, au même titre que les 4 cales du train. La transmission, et c'est pour ça que on ose mettre des gros brushless, enfin des grosses puissances là-dessus, parce que la transmission, c'est un rock. Vous l'avez vu sur le R5 de Mani, ça prend 12S, ça prend des jetons, ça prend des booms, mais c'est incroyable, parce que ici, on a un système différent de chez FG ou chez les autres. On n'a pas de dogbone sur les cardans, on n'a pas de CVD, on a des systèmes à bulles. Les systèmes à boules, donc 3 petites billes qui viennent se loger sur le cadran, sur la tige, et qui viennent en fait se loger dans la noix de cardan ici. Donc ça répartit l'effort, c'est, il n'y a pas d'à-coup, comme dans les dogbones, et du coup ça suce très peu, et puis comme sur la X4, hein, c'est la même géométrie, enfin c'est la même géométrie, non c'est pas la géométrie, mais c'est la même logique de conception, bah, la transmission elle donne plus que rassuré par rapport à cet aspect-là. Donc, on a aussi les bouchons alu 70-75, on a la barre d'Ackerman 70-75, tout le reste c'est du plastique de bonne facture, notamment les triangles qui sont, si on le voit un peu, mais qu'on voit très bien, qui sont renforcés à la fibre de carbone, renforcés, en tout cas très, très rigides. Au niveau des réglages, quand vous prenez une voiture chez Rivière Proche, chez la rivière donc, vous avez une fiche de réglage que vous recevez et vous savez ce qu'il vous a fait en préparation. Donc moi je sais que même dans le glissement limité, il a mis de la graisse, de l'huile, je suis assez pour. Donc il a mis, je crois, de la 20 000 au centre, de la 15 000 derrière, et ici, pas grand chose, je crois, de la 5 000. Tandis qu'en suspension, alors derrière on est, tu vois comme j'aime, on est soft derrière et dur devant. Donc je crois que c'est la 10 000 devant et la 5 000 derrière. Donc tu vois, la suspension qui travaille assez du cul et qui, derrière, qui est devant très rigide. Donc franchement, j'ai rien à dire. Au niveau de... Voilà, on a aussi les tourelles, on a du 70-75, excusez-moi. On a vraiment une sensation de... c'est costaud, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Ça, c'est pour l'aspect global de la voiture. Pour l'aspect brushless, le système qui vient d'origine MCD, c'est ça. Donc tu as une plaque que tu as commune sur la thermique et sur la brushless qui se fixe sur le châssis. Attends, je vais te retourner le bébé pour que tu vois un petit peu. Et bien, wow, check. Tu as une plaque comme ça qui est commune au thermique et qui permet en fait de slider l'anthrax pour avoir l'entre-dent et en fonction des différentes couronnes. Ici, qui ton moteur, tu viens le mettre ici via un transfert d'axe comme ceci et un pignon qui vient là et une oreille à la fin qui tient ton moteur. Le système est bien pensé parce que ça reprend le système de transmission du thermique, mais pour du brushless, comme on l'entend, Mani a trouvé une superbe idée, simple, claire, tout simplement reproduire ce qu'on fait en 1/8, c'est-à-dire que ton moteur que j'ai là, hop, que ton moteur, le qui passe sur un adaptateur, dans un transfert d'axe, sur des roulements et tout, et ben tu vas prendre cette plaque et on va faire un système avec Alain Rivière qui va usiner ça,
qui va permettre de mettre tout simplement un pignon moteur ici sur l'axe et tenu derrière par une clamp. Donc du coup, on a vraiment une transmission directe. Avec à l'entre-dent, on va conserver cette plaque réglable pour pouvoir mettre les différentes couronnes, pignons couronnes. D'ailleurs, Alain m'a gentiment prêté pas mal de jeux de couronnes de diff et de pignons moteurs pour qu'on puisse tester et avoir, en fonction des différentes configurations, câble et moteur, qu'on puisse avoir la meilleure rapport de transmission par rapport à la performance. Les performances de cette voiture en 20S, j'aimerais qu'elle fasse un 80 km. Pas plus, pas moins, parce qu'après, c'est un. Voilà, 70-80, voilà, tranquillou. On a mis à la direction un cerveau JX 70 kg à 30$. Voilà, alors oui, je sais, les billets ne sont pas droits. Je vais recevoir le palonnier MCD qui permet en fait d'être plus grand et donc de remettre les palonniers de en dessous. Et donc voilà, d'être droit. Mais en tout cas, là, c'est un modèle HV. Donc je l'ai alimenté directement par une lipo 3S qui va sur un bec au B-Wing 10A. Donc avec un petit interrupteur, et tu as de la direction qui est largement assez rapide pour moi. Et tu vois, c'est costaud parce que je me mets dessus. Voilà, j'ai la voiture par terre et ça tourne dedans encore. Donc c'est largement suffisant en termes de couple. Donc on a dit, pour la partie brushless, on va faire un nouveau support différent du kit MCD. Et puis après, pour la répartition, on a pensé avec Mani, je suis déjà allé avec lui pour qu'il me donne un peu ses idées, parce que c'est quand même lui qui a beaucoup d'idées, hein, vous avez pu vous reconnaître, et qui a surtout de très bonnes idées. Et donc là, voilà, on a pris la partie arrière qui était censée recevoir le bac lipo, le variateur. On l'a découpé pour mettre deux batteries 4S ici. Et là, on va se faire un bac lipo aussi pour mettre trois batteries ici. Et on va percher le variateur là-haut. Comme ça, on est quand même très bas. Et je crois qu'on est un peu équilibré avec un léger poids vers l'avant. Donc après, on verra un peu la répartition des masses qu'on verra selon les essais. Et puis, on a essayé de l'alléger au maximum. Donc, Alain a fait ses plots de carreaux qui ne sont pas d'origine. D'origine, vous avez en fait les bavettes ici. Donc tout ça, ça fait 200 grammes à chaque fois. Il y en a deux. Donc tu déjà t'économises 400 grammes. C'est quand même pas mal, hein, déjà. Qui sont là et en fait, on les a enlevés tout simplement et il a fait usiner ces parties en plastique ici pour attacher la carreau. Et il a aussi usiné le support moteur ici, le support cerveau, pardon, excusez-moi, en aluminium également pour que le cerveau soit au top. Voilà, donc maintenant. Eh bien, on attend le variateur, on attend le nouveau support. Et on attend, voilà, vraiment essayer d'y aller pour qu'on fasse fonctionner cet MCD. Alors, c'est vrai que le seul petit bémol qu'on peut dire, c'est les pneus. Voilà. Par rapport à une FG, où vous avez multitude de grades de pneus, des pluies jusqu'à l'hyper hard. Ici, vous avez uniquement deux gommes, soft et medium. Voilà, j'ai reçu ça aussi pour ton test. Du coup, tu t'adaptes beaucoup moins facilement aux conditions climatiques, thermiques. Mais ça fait partie, je pense, aussi du charme de la catégorie MCD. C'est une voiture qui n'est pas forcément la plus simple à piloter. Braquage, contre-braquage, comme la XC4 avec le petit cucu qui de temps en temps se dérobe pour le rattraper. Voilà, ça fait partie du charme. Donc bon, voilà, c'est un choix. Et puis, a priori, les druides bretons ont des recettes pour faire fonctionner ces pneus sous la pluie et à basse température. Comme je souvent en Alsace, hein, quand même, faut quand même le reconnaître. Par rapport à un modèle standard également, j'ai oublié de dire, ici vous avez normalement en dessous, là on ne voit pas, c'est dommage, il y a un palonnier où vous avez le disque, les disques de frein mécanique. Donc, nous on va utiliser les freins bien sûr du variateur, mais normalement tu as ça et ton cardan vient ensuite dans le diff. Mais ici on a utilisé, Alain a mis en place
un grand cardan, le cardan de la version max de la MCD, pour se passer de ce petit support de disque. Bon, ça fait économiser quelques cent grammes, c'est plus simple également, ça n'a rien à faire sur une thermique, finalement, effectivement, c'est plus logique en tout cas. Ici, on est vraiment sur une version la plus optimisée possible pour une thermique, pour une brushless. Il y a peut-être aussi un peu de travail à faire, on va savoir si on garde ou pas la cage. Ouais, parce que effectivement, normalement, sur une piste, on n'a pas à faire, on ne fait pas du vrai rallye, hein. On n'a pas non plus à se retourner trop. Mais je pense que c'est peut-être un peu too much la cage, donc on verra si on la conserve ou pas. Ça fera aussi gagner, je pense, un bon kilo sur l'ensemble. Donc voilà, pas mal d'essais à venir, pas mal de voilà, pas mal d'essais, pas mal de news. Une fois que j'aurai tout fini la brushless, on va, je pense, la présenter ensemble avec Manny sur sa chaîne, chez lui, pour qu'on vous présente tout ça, les efforts des gens qui se bougent aussi, comme Alain, comme Michel Pesat, qui ont pris conscience que le brushless commençait à monter, même sur les grosses GSL, et qui se bougent, voilà, qui font des catégories exprès, la Max est en 12S, etc., etc. Donc voilà, qui se bougent, et donc quand les gens se bougent, bah, moi j'aime bien, parce que c'est des gens qui avancent, qui vont rester, qui vont dans le sens de l'histoire, donc... Globalement, ça sert à rien de trop d'aller à l'encontre quand il y a effectivement la tendance. Et je ne dis pas que c'est la bonne tendance, je dis que la tendance est celle-ci. Voilà, en tout cas, pour cette MCD XR5. À tout bientôt. Et moi, je vais dormir là. Voilà. Allez, bonne nuit. Hein. Ciao!